lorsque je suis arrivée, j'ai découvert le facteur mort sur la place de l'église. Je sais qu'il était 10h, car j'ai entendu les cloches sonner. Je confirme avoir croisé l'aveugle en chemin. Il était 9h38. J'ai rejoint mon mari à 9h50. J'ai bien reçu Lila Rose aux alentours de 9h50. Peu de temps après que le facteur m'ait déposé une lettre. Le facteur était bien vivant à ce moment-là, car il m'a remis ma lettre à 9h45. J'étais bien avec mon amie Laure, qui arrivait un peu essoufflée à 9h59. Je suis partie de chez moi vers 9h35. J'ai cru apercevoir le facteur, mais je ne suis pas sûre car j'étais pressée. Un journal, s'il vous plaît. J'ai bien vendu un journal à un aveugle à 9h55. Le suspect numéro 5 est la dernière personne qui a vu le facteur. C'est donc elle la coupable. Grâce à Pythagore, je sais qui est le coupable. C'est évident. CTD est un triangle rectangle en T. CT égale 750. CD est l'hypoténuse, donc d'après le théorème de Pythagore, on a CD au carré égale CT au carré plus 562 000, CD au carré 5 égale 10 heures. Il entend bien l'église sonner. Le suspect 5 part de chez elle pour aller... Tu es la dernière personne à avoir vu le facteur vivant. C'est donc toi la coupable. Par voie de joint, je crois que vos conclusions sont fausses. Quand même, vous ne pouviez pas l'accuser sans preuve. Mais ça ne peut être qu'elle. Hé, attendez, suivez-moi. D'après mes calculs, vous êtes la coupable. Attends, quoi? L'aveugle a tué le facteur à 9h50 et lui a pris son vélo pour avoir un alibi. À pied, il lui aurait fallu 21 minutes depuis le kiosque et serait arrivé vers 10h16 sur la place de l'église. L'aveugle a croisé le suspect 2 à 9h38. 9h38 plus HD égale 9h38 plus 12 égale 9h50. Donc, l'aveugle est arrivé sur la place de l'église à 9h50. L'aveugle parcourt DJ à pied. 9h50 plus 21 égale 10h11. C'est faux, puisque le suspect 6 dit lui avoir vendu un journal à 9h55. L'aveugle parcourt JD à vélo. 9h55 plus 5 égale 10h. Il entend bien l'église sonner. Depuis le début, même sans mes calculs, je savais qui était le coupable, car un aveugle ne lit pas de journaux.